La région Réunion, la ville de Saint-Denis et la Cinor ont collaboré pour vous présenter le projet de la nouvelle entrée ouest de Saint-Denis, NEO, un projet majeur pour la ville, le nord de l'île et l'ensemble de la Réunion. À l'entrée ouest de Saint-Denis se trouve le Bar à Choix, un lieu emblématique, culturel et historique. Ici, vous êtes sur le Bar à Choix de Saint-Denis. Donc, c'est un site qui est essentiellement à vocation maritime et qui a servi pour le transit de marchandises d'import et d'export, et où étaient installées des marines qui permettaient le chargement et le déchargement de ces marchandises par le biais de ponts qui étaient installés en fait sur la zone côtière. Le Bar à Choix est un site hautement sensible du point de vue de l'archéologie. Là, sous nos pieds, à quelques centimètres, sont conservés les vestiges de près de 3 siècles d'histoire militaire, maritime, ferroviaire et urbaine de Saint-Denis. L'entrée sur la ville de Saint-Denis par l'ouest est déjà en pleine transformation. La nouvelle route du littoral et le nouveau pont sur la rivière Saint-Denis vont favoriser et modifier l'accès au chef-lieu, permettant une meilleure répartition de la circulation avec des voies dédiées aux transports en commun et aux mobilités actives comme le vélo ou la marche. Pourquoi réaménager le Bar à Choix ? Le Bar à Choix est aujourd'hui asphyxié par la route nationale qui sépare le centre-ville du front de mer, engendrant d'importants désagréments pour les résidents, les riverains et les promeneurs. Les Dionysiens ont perdu le lien à l'océan et le Bar à Choix se dégrade. Si rien n'est fait, la situation risque d'empirer dans les années à venir. Quels sont les objectifs de NEO ? En repensant un espace dans lequel la circulation se ferait discrète et où la nature et les charmes du site seraient préservés, le projet NEO permettrait de recréer le lien entre le centre-ville de Saint-Denis et l'océan. Il pourrait transformer profondément le Bar à Choix en le pacifiant pour en faire un lieu majeur du centre-ville et favoriser les transports en commun et les mobilités actives. Le projet prévoit ainsi le réaménagement d'une large bande côtière entre la sortie de la nouvelle route du littoral à l'ouest et la gare routière à l'est. Pour l'entrée ouest de la ville, 2 scénarios sont proposés. Pour l'espace du Bar à Choix, qui concerne entre 8 et 16 hectares, en fonction du scénario d'implantation de la route nationale retenue, le projet permettrait de retrouver un espace de rencontre, de sortie, de développement touristique, un lieu pour faire du sport ou se divertir, en ouvrant le centre-ville vers la mer. Et pourquoi pas un bassin de baignade sur le Bar à Choix, qui offrirait un accès à l'océan sécurisé et agréable. Afin de libérer l'espace nécessaire à cet aménagement, 2 options de route ont été étudiées, les tranchées couvertes et les tunnels. Pour la première famille de tracés, 3 possibilités sont envisagées en gagnant de l'espace sur la mer. Des remblais sont créés pour protéger les futurs aménagements et les infrastructures routières sont positionnées en contrebas de l'esplanade du Bar à Choix. La vue sur la mer, comme sur la montagne, est retrouvée. La première solution comprend une tranchée couverte de moins de 300 mètres, puis un boulevard urbain. C'est le tracé terre. La deuxième prévoit 3 tranchées en enfilade avec une emprise sur la mer plus importante. C'est le tracé hybride. La 3e solution, le tracé mer, est similaire au tracé hybride, mais avec l'ensemble des 3 tranchées couvertes situées en gain sur l'océan. 2 autres solutions proposent des tracés en tunnel. Le premier, le tracé long, s'étend sur une longueur de 1,3 km jusqu'au pont Pasteur. Le second, le tracé court, d'une longueur plus contenue d'1 km, remonte en surface au niveau de la rue Alexis de Villeneuve. Dans ces options en tunnel, les tracés proposés sont conçus pour ne pas impacter les habitations, donc sans expropriation foncière, et prévoient des issues de secours régulières.
Avec de multiples options d'aménagement et 5 propositions de tracés étudiées et proposées, le projet NEO va faire l'objet d'une procédure participative qui permettra de débattre de l'opportunité de ce projet et peut-être de faire émerger d'autres options. La région, la ville et la Cinor souhaitent que les citoyennes et les citoyens expriment leur point de vue lors du débat public organisé par une autorité indépendante, la Commission nationale du débat public, qui se tiendra en fin d'année 2020. Contribuez en donnant votre avis, vos idées et participez à la décision pour la nouvelle entrée ouest de Saint-Denis.